Voici le 1000 mètres vague forte. J'ai manqué le début, mais c'est pas grave. C'est la fin qui compte et non le début. En avant, on observe nager Bel Andalusie du club Azetis Brûleurs d'Orléans, coaché par Claude David. Bel Andalusie qui a un PB 2.33 datant de un peu plus de 13 mois, je crois. Donc, il l'avait fait à Ottawa. Cette année, son sixième titre, c'est 2.34 qu'il a encore fait à Ottawa avec Carlos. Mais Carlos n'est pas ici, heureusement. Parce que Najib et Carlos, ils courent pas vite ensemble. Changement de sujet. Premier en ce moment, c'est Philippe Lacasse. Philippe, un ingénieur, étudiant athlète modèle. Vraiment un bon écolier. Vraiment un bon écolier. Et bon coureur, évidemment. Je comprends rien qui est en avant. Sinon, qui d'autre que je connais là-dedans? Ben, je connais le gars de Chicoutimi, qui n'est pas dernier. Non, parce qu'il y en a deux autres encore. Mais bon. Un gars solide, pareil. Un gars de 2.38, je crois. Il avait couru il y a un mois, ici à Charlevoix. Je crois qu'il avait fait 2.38, mais c'est plus. Bref. Il reste 350 mètres. Voyons voir qui va leur porter 300 mètres. Non, en principe, moi, je parie pour Najib parce que c'est mon ancien camarade de club. Coéquipier. Ah, vous voyez le gars de Chicout ici. Vous voyez tout le monde d'école. Ça commence à être intéressant. Là. Et Simonac. Est-ce que Najib va remporter la course? Eh non, je crois pas. C'est qui va remporter la course? Je ne connais pas son nom. Alexandre Boucher? Est-ce que c'est ça? On va voir sur le tableau. Boucher. Je sais qu'il y a des frères jumeaux, donc je sais pas si c'est Alexandre ou l'autre. Bref, félicitations au coureur de 1000 mètres. 2.37, c'est solide. Najib, j'attends le chrono de Najib. Non, j'attends plus. Il n'est pas terminé dans les top 4. Donc,